Avec Antoine, ouais. Il fait chier pour Baison. Ta gueule! Je veux dire, il faut faire un truc, faut se rebeller! Putain, là c'est chaud, on a que ça, on a bossé toute la journée pour 4 merdes là. Moi ça me saoule ce genre de truc, tu vois. Eh, hey, regarde, mais qui c'est qui arrive là-bas? Eh là, regarde. Il part en cuillère. Regarde moi ce fada là. Oh, ça va, oh, casse pas nos pieds. Oh. Je viens pour les impôts! Calme, police! Police! Je viens rien chercher les impôts. Vous voulez combien? C'est combien les jeux? Donc il me faut. Il me faut tout! C'est la récolte tout. De la journée, ça! Mais oui, je sais, mais bon. Ah, faut bien qu'on mange, l'ami! Oh! Mais comment dire? Le maire m'a chargé de ramasser les impôts, je relève la taxe! C'est mon devoir! Bien, messieurs, merci de votre coopération. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Gilou qui sait tout, je suis reporter pour le magazine Bouygues Information, un média tout à fait indépendant et participatif. Alors, je suis descendu de Paris vers Vaison-la-Romaine grâce à Total qui a financé le voyage en TGV.
Et là, je me rends au Palis, le Palis qui est un quartier rural situé à quelques kilomètres de Vaison-la-Romaine, où semblerait-il il y a quelques agitateurs politisés qui veulent déclarer leur indépendance politique. Alors là, je me rends au 4x4 financé par McDonald's, cette fois-ci, 4x4 commerce équitable, qui va m'amener sur les lieux en toute sécurité. Et là, mesdames et messieurs, je vérifierai l'objectivité des événements. Ça fait 3 jours que ces parents ne sont pas là. Vive l'indépendance du Palis. On en est réduit à fumer l'herbe du champ de Palis Librio. Voilà ce qu'on fume, le foin à gauche. Attends, je fais un reportage sur le Palis. Là, ils sont en train de fabriquer des armes. Bonjour, en direct du Palis, la sécheresse s'aggrave. Les gens fument de la paille. L'indépendance va-t-elle réussir? Grosse question. Les logements sociaux, vous nous avez promis. Elles sont toujours pas arrivées. Putain. Et Gérard, il va falloir aller chasser. Du coup, ils sont réduits à brûler un Carmen 3. Il y a fumé. Mais il n'y a plus de cigarettes dans les tabacs. Alors vous savez, c'est dur, hein. C'est dur. Ça ne fume pas bien. Comment je vais faire peine? Et récupérer les mégots pour faire d'autres cigarettes. Aujourd'hui, c'est la fête. On a une patate. On mange une patate. Putain, les gars, je ne croyais plus. Je crois qu'on allait devoir s'arrêter encore au cours, je t'ai fait. Ouais, c'est la fête, hein. Bon, allez, ce soir, c'est la teuf. Ouais. Bon, alors, la conclusion de ce reportage, ouais, c'est qu'au Palis, ils ont peut-être pas grand-chose à bouffer, mais ils ont la joie de vivre. Ils sont contents, hein. Tu sais, le chien, il était pas mauvais, hein. Même avec les poils, hein. Ouais. Mais celui-là, il a l'air pas mal, aussi. Ouais, ça, c'est cool, maintenant, ils vendent du chien, quoi. Bah, là... Bah, il reste que les trucs dégueulasses, les yeux, les pieds, les... Ouais, c'est dommage. Ouais, si tu veux finir. Moi, il y a de l'eau, quoi, dedans. Le Palis, c'est les meilleurs. Les meilleurs, c'est le Palis. C'est bon, alors nouveau prototype, canon à patate, j'appelle ça, canon à patate, donc c'est tout simple. On n'a pas d'armes, nous, d'accord. Donc j'ai pensé autant faire des armes avec des patates, des patates. Ouais, 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 vraiment, ouais. Donc on fait simple, pompe à air comprimé, tu comprimes la valve, l'air il passe là, les petits tuyaux là, tu augmentes la pression, les molécules se concentrent.